Chez MK Sound, on a des enceintes. Oula, wow. On a perdu un panneau. Ça, c'est un ça, c'est les aléas du direct. Là, ça, c'est énorme, ça. C'est énorme. Alors ça, ça va faire un super bonus. On est en compagnie de Pierre qui va nous présenter la gamme, un peu toute la gamme de chez MK Sound. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors bonjour, ici chez MK Sound on a donc des enceintes qui sont spécialisées pour les salles de home cinéma. Puisque MK Sound est une marque spécialisée depuis début des années 70 maintenant dans le matériel pour les studios de cinéma de production. Et ils ont notamment inventé les caissons de basse actifs, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc chez MK Sound on a des enceintes. Oula, wow. On a perdu un panneau. Ça, c'est un ça, c'est les aléas du direct. Là, ça, c'est énorme, ça. C'est énorme. Alors ça, ça va faire un super bonus. Chez MK Sound, là, on a la S300 qui est une enceinte satellite bibliothèque. Elle est monstrueuse. J'avais testé la S150, elle était déjà grande. La S300 va encore plus loin, puisque au lieu d'avoir des 5 pouces 25, on a 2 6 pouces et demi. Toujours les 3 tweeters qui sont la spécificité de MK Sound. Ouais. Exactement. Donc là, on a une enceinte où la 150 est déjà une référence incontournable dans le home cinéma et dans les studios de production. La 300 va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a une enceinte qui a zéro limite, quoi, qu'on peut pousser avec en plus de chaleur et un niveau de détail, de précision absolument énorme. Quel est l'intérêt des 3 tweeters? Alors les 3 tweeters, ça permet d'avoir plus de rendement, d'enlever de la distorsion également. Donc ça c'est, après je vais pas rentrer dans tous les détails techniques spécifiques, voilà, c'est pour, mais voilà, ça permet en fait d'avoir un meilleur rendement et de réduire le niveau de distorsion. Et puis du coup on a un guidon qui permet aussi de contrôler, les retomber. Voilà, qui permet de contrôler la directivité verticale et horizontale pour avoir un sweet spot qui est plus large au niveau horizontal, et au niveau verticalité, pas arroser le plafond et pas arroser le sol pour s'éviter des problèmes acoustiques. D'accord. Voilà. En termes de tarifs? En termes de tarifs, voilà, on est sur 3195 euros l'unité. Unité. Et par contre, on est sur un produit qui est fabriqué au Danemark. D'accord. Voilà. Après, on est sur les plus petits modèles. On est sur les plus petits modèles, c'est la toute nouvelle série D avec la D85 et la D95. Donc, avec respectivement un 5,25 et un 6,5 en haut-parleur. On est sur des petites enceintes murales. Ouais, c'est hyper plat. Hein. Hyper plat, ouais. C'est du lifestyle vraiment. C'est-à-dire que le. Disponible en noir et blanc, j'imagine. Gris, gris aussi. Voilà. Et blanc. D'accord. Et puis on est sur des petites enceintes qui sont prévues pour une installation pour des gens qui aiment le son MK et qui veulent un petit truc un peu plus sympa dans une pièce avec un téléviseur, avec même pour de l'écoute stéréo 2.1 avec un petit caisson à côté, ça marchera extrêmement bien et puis ça reste très design. Ensuite, IW, enfin ça c'est tout ce qui est encastrable. Exactement, je peux finir juste la centrale, avec la centrale. Alors, centrale ou LCR. Exactement, ouais. C'est la série M. Donc on est sur une petite enceinte murale qui s'accroche facilement comme ceci, ouais. Comme ceci. Voilà, là pareil, de chaque côté d'un téléviseur, c'est absolument superbe. On a un plus petit modèle qui est la M40. On a également la M90 au-dessus qui est l'équivalent de 2 M70, donc qui fait une très très belle enceinte centrale sous un écran plat, sous un 85 pouces, voilà, ça donnera superbement bien. Et après, donc, les encastrables, on ne présente pas toute la gamme d'encastrables aujourd'hui, mais les nouveautés, donc on a dans la série 150, tu me parlais des 150 que tu connaissais. Les 150, exactement. Ouais, ouais. Donc, elles existent bien évidemment en encastrable, ça s'appelle les IW150. Ici, la IW150T, c'est T comme tripole. C'est-à-dire qu'on est sur une enceinte surround qui utilise une technologie développée par MK Sound qui est en fait entre l'enceinte dipôle qui va couvrir très large, qu'on connaît dans beaucoup d'autres marques pour surround, et en même temps une enceinte directive pour dire bah voilà, quand on est face à l'enceinte, on a quand même énormément de détails et on a cet effet d'immersion de l'enceinte dipôle. Donc le meilleur des deux mondes dans une enceinte encastrable, 10 cm de profondeur. Avec un parfait pour le mettre dans une cloison en fait. C'est exactement prévu pour être mis dans une cloison.
Et après, on a les deux enceintes qui sont utilisées principalement pour de l'Atmos, donc avec le petit modèle qui existait déjà, qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est l'AIC95, avec tweeter orientable, un 6 pouces et demi, 10 cm de profondeur d'encastrement. On a une backbox optionnelle aussi dessus, si besoin. Donc ça, pour compléter un système MK, n'importe quel autre système, mais où on cherche des Atmos de qualité, ce sera extrêmement performant. Et puis pour continuer dans la gamme 150, donc si on veut être cohérent jusqu'au bout dans une salle cinéma, on a la 150A pour Atmos avec ici non pas 3 tweeters comme sur la 150 classique, mais un tweeter qui est incliné pour justement arroser la zone d'écoute. D'accord. Et ensuite, on a les caissons de basse de la toute nouvelle série V, ou V+. Qui sont clos, voilà, avec ici le V12+. On a également un 10 pouces, donc V10+, et un 15 pouces, V15+. Le 12+, est certifié THX Select, et le V15+, est certifié THX Ultrad. D'accord. Voilà, donc on est sur, des caissons qui vont être, en termes de performance, parfait pour du home cinéma et même pour de l'écoute stéréo, puisque musicalement on arrive à avoir avec un caisson clos, et puis on est chez MK sur un son qui sera extrêmement tenu, extrêmement précis, voilà, ça bave pas, c'est ce qui fait la réputation de ces caissons, et puis avec des basses qui descendent très très profond. Pour les basses très très profondes, on arrive à un mastodonte. Ça, c'est un petit bijou. Donc certifié THX 2-, c'est-à-dire qu'on peut aller dans des pièces jusqu'à 160 mètres cubes, ça commence à devenir énorme, avec un seul caisson qui est capable de tenir le rendement nécessaire pour ces salles-là. Donc le X15+, 15 pour 15 pouces, donc 6 730 €. Mais on a donc deux haut-parleurs de 15 pouces, d'accord, qui fonctionnent en push-pull, ce qui nous permet d'avoir une membrane. Ah oui, là en bas il y a un haut-parleur là, voilà. Regardez les amis. Ah ouais. On a l'équivalent d'une membrane en fait, beaucoup plus importante, comme un 21 pouces dans le principe. Donc on a la rapidité d'un caisson 15 pouces, donc énormément de dynamique, énormément de punch. Et en même temps, on a le déplacement de la masse d'air d'une plus grosse membrane. Donc du coup, des subs qui descendent, là ils descendent, ils donnent jusqu'à 16 Hz à plus ou moins 3 dB. Donc on commence à être dans... C'est du spectre qui est même plus audible, c'est physique. Juste du ressenti, c'est physique, ouais. C'est un tremblement de terre à chaque fois. D'accord. Ça, c'est monstrueux. Et là, il y a son petit frère. Là, son petit frère qui est déjà un monstre, qui lui est certifié THX Select, qui est le X10+. Et entre les deux, j'ai le X12+. Donc, le 15 n'existait pas du tout chez MK avant. Le 10 et le 12 existaient en version qui n'était pas plus. Mm-hmm. Ils ont revu donc l'amplification et les haut-parleurs pour aller encore plus loin au niveau puissance. Ils ont également une caisse qui est moins profonde pour de l'intégration. Derrière des écrans, voilà, on arrive à avoir... C'est vrai que c'est pas très profond, mais c'est haut. Alors, justement, pour garder le même volume, ils ont fait la concession de se dire, au lieu d'avoir quelque chose de plus profond, on va gagner un petit peu en hauteur. Par contre, on pourra venir glisser plus facilement derrière un écran, voilà. Ou dans un salon, dans un coin. Voilà. C'est vrai que ça reste quand même une belle bête, mais par rapport au grave que ça sort, on est tout de même beaucoup moins encombrant qu'un caisson. Bah, là, il faudra avoir un 15 pouces assez monstrueux. Là, avec un 10 pouces comme ça en push-pull, moins d'encombrement et un grave qui sera extrêmement rapide, extrêmement tenu. Enfin voilà, MK Sound de toute façon. Vous avez quand même un savoir-faire de ce côté-là. C'est les inventeurs du caisson de basse. Super. Bah, merci voilà. Beaucoup avec de plaisir. Nous avoir présenté toute cette gamme. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.